Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Et à toutes. Tous, todos, À toutes, tous et toutes. todas. Oui. Voilà. Bonjour, Gabi. Non, c'est pas Bonjour. Déjame porque se está repitiendo. Bueno. Je vous donne la bienvenue à notre dernière séance de l'atelier Comprendre le féminisme. Alors, Gabi, est-ce que tu peux lire les titres de la séance d'aujourd'hui? Moi, Gaby Ramírez, pero Oui, oui, que il y a otra Gaby aussi. Gaby Ramírez. D'accord, le féminisme, séance 2, nos désirs et font des ordres. Ouais, alors, désir, quelle traduction tu donnes? Et deseos, anhelos. Oui. Nuestros deseos, nuestros anhelos font des ordres. Oui, c'est le même préfixe de déshacer. El orden. Désordre. Merci beaucoup. La dernière fois, on avait parlé première vague, deuxième vague, et dans les années 60, à peu près, non? C'était le moment qui a commencé la deuxième vague. Alors, si on va... Claudia Hernández. Tu es là, Claudia? Non? Jocelyne? Oh, Maria José, tu peux activer ton micro? Oui. Ok, bonjour Maria José. Bonjour. Et une question, pour nous situer un petit peu avant de commencer à travailler. Les années... Et 1970 représentait quoi ou qu'est-ce qui s'est passé si tu te rappelles un petit peu, qu'est-ce que tu pourrais dire de ces années? 1970 oh. Dans le monde ou aux États-Unis ou tu sais? Oh, je ne me souviens pas, désolé. Non, t'inquiète. Sinon, de manière générale, comme culture générale, que représentent les années 70? Quelqu'un qui veut participer? Non? Alors, les années 70, non, nous remontent à tout ce mouvement de libération de la jeunesse. C'est le mouvement des hippies. Les hippies. Les hippies. Oui. Oui, oui, oui. Et les hippies, c'est un mouvement de libération aussi très lié à la sexualité. Et aujourd'hui, on va parler de ça, de comment le féminisme, dans un moment aussi, a pris cette libération de la sexualité. C'est clair pour tout le monde? D'accord. Oui, oui. 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 Parfait. Donc, commence en 1960. Oui, commence en 1960, tout à fait. Bon. Et 70, ce sera la décade qu'on va lire un petit peu de comment la sexualité est devenue aussi une libération pour les femmes. Merci. Ben, on fera comme d'habitude, on va lire, on va faire des commentaires et s'il vous plaît, écrivez et les vocabulaires que vous trouvez utiles. Et comme aujourd'hui, on va finir l'atelier. Ça serait bien de vous, al final, vamos a dar el tiempo, que se ubiquen en una línea del tiempo un poco por años, ¿no? Ciertas luchas, movimientos, d'après le feminismo. Ok.
Nous avons cet slogan, no decir font désordre. Para no confundirnos, las BDs, como esta no trae viñetas, pero se lee de izquierda a derecha. O sea, no lean como hacia abajo, sino más bien, este cuadro sería uno, como una viñeta, y luego paso a este. Y luego ya ahora sí salto de izquierda a derecha. ¿Me explico? Ok. Andrea. Moi? Oui. Allez, si tu commences à lire. Bonjour. Eh oui. Le slogan des années 90. Non. C'est. Je voulais. Des années. Ayuda. Oui. 70. ¿Cómo se dice? 70. Oui. Se distingue ce monde par le inventivité. Nobody is perfect. Some like is hot. De bien, nobody are perfect. Nobody's are perfect. Willy hace jeu de mots de juego de palabras, ¿no? Jeu de mots, un de mes slogans préférés. Donc, à ce moment-là, donc, je vais faire. Le slogan était très populaire et l'inventivité était très géniale. C'est un peu comme maintenant. À l'époque, je pense que les manifestations, au moins au Mexique, proposent cette inventivité. Et c'est déjà cette envie d'accepter les corps des femmes, non? D'accepter aussi leurs désirs. Merci, Andrea. Bueno, continue toi-même. Luego. Vos désirs son desordres. De bien, nos désirs font desordres. Exact. Donc, c'est le moment de slogan. Si quieren anotar alguno de los slogans, como no decir font desordre, el de arriba. Que era nobody are perfect, nobody's are perfect, ¿no? Como ese jeu de mots avec nobody is perfect. Donc, on commence à changer la mentalité et les femmes. On a envie aussi de vivre, de faire d'autres trucs. Continue, Andrea, ici. On passe de l'obéissance. On passe de l'obéissance à la proclamation du désir et cette fois du désir sexuel. OK. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de ça, non? De la sexualité. La sexualité, au début, quand on parlait à l'époque de Napoléon, tout ça, c'était pas encore un sujet du féminisme. Non? Il y avait d'autres sujets, mais ce n'était pas encore la sexualité. La sexualité devient aussi comme un résultat de la vie privée des femmes. Et la dernière fois, on disait bah, les sphères publiques privées. Et vas-y, Andrea, finis cette planche. Avant le féminisme de la deuxième vague, la sexualité des femmes n'avait pas vraiment fait l'objet de revendications politiques. Au contraire, elle était canonnée au domaine de la morale ou de la médecine. Sorcière, prostituée, tentatrice, hystérique. Mm-hmm. Tentatrice, hystérique, prostituée, sorcière. Sorcière, c'est bruja. Aquí está esto que les decía. Avant de la douzième vague, la sexualité
des femmes n'avaient pas vraiment fait l'objet des revendications politiques. Non, era uno de los temas, ¿no? Et en fait, la sexualité des femmes était très cantonnée, ¿no? Como très, muy, muy cerrada, no sé ahorita qué, sinónimo, qué significado darle a cantonnée, como voy a chercher. Mais finalement, c'était cette idée que c'était ouais, soit lié à la morale, soit lié à la médecine. Et continue, Andrea, la sexualité féminine. La sexualité féminine normale, c'est faire des bébés. La sexualité sortant de ce cadre est celle des prostituées et des femmes de la mauvaise vie, et moisson close, asile, ou une maladie relevant de la psychiatrie à partir de. Ben moi, 19e siècle. Si. Donc, la sexualité était à faire des bébés. C'était ça qui avait, qui, c'était ça la pensée de l'époque. Et si la sexualité n'était pas que pour faire des bébés, c'était très mal vu. C'était comme, ah, c'est une vie de prostituée, ouais, et des femmes de mauvaise vie. Et bien évidemment, c'est non. Et c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que ça s'est devenu aussi un des slogans du mouvement. En fait, esto es importante. La question aussi de la sexualité était très liée uniquement à la médecine. À des études de la médecine, non? Et en fait, dans un moment, se pensó también como una enfermedad, ¿no? Si quelqu'un voulait avoir du sexe par plaisir, c'était peut-être une maladie, ¿no? De la psychiatrie. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. A ver. Ángel Torres. Oui. Allez-y. De films récents, traite de la comment se prononce ça? C'est compliqué. Mais c'est un peu compliqué pour moi lire les lettres, le type de lettres. Ouais, oui, oui. C'est un peu de la sexualité féminine. Dans l'hystérie, oh my god, un BF. BF signifie version française. Ok. Un genre psychiatrique se voit confier des patients à Yent, d'hystérie. Hystérie de grec du grec hystéra matricé utérus ok on considérait alors qu'il s'agissait d'une maladie liée à l'utérus, dû à un manque d'activité sexuelle. Ok, donc si vous voyez, il nous mentionne deux exemples, acabamos de ver el primero, de films, de películas, où se traitait la psychiatrisation de la sexualité féminine. No? D'abord, il y avait cette idée que l'hystérie, no? Que tiene que ver con el útero, et bueno, como l'origine de la palabra, c'était une maladie due ou debida à un manque d'activité sexuelle.
Et c'était pourquoi les femmes devenaient ou avaient cette maladie d'hystérie. Un autre film d'exemple de comment c'est considéré comme un phénomène, la sexualité aussi comme un phénomène de maladie, c'était celui-ci. Allez-y. Continue, Angel. Et dans le film, les patients sont traités par simulation de clitoris. Quel boulot, dit le quel plaisir. Boulot. Quel boulot ouais. Est-ce trabajar. Oui. Ok. c'est qui même les gens docteurs à l'invention du premier vibromasseur. C'est bizarre. Okay. Fini les crampes. Les crampes sont les calambres. Les crampes. Ok, fini les crampes. D'accord, merci beaucoup. Alors, ça c'est un autre exemple. Dans un film, comment ça nous permet de voir comment petit à petit la sexualité des femmes est devenue aussi dans les sphères publiques et même aussi dans le secteur de la santé. Et l'hystérie avait, bon, il y a eu aussi, ça a pris, même si c'est un film, mais c'était basé sur l'histoire, où un médecin traitait l'hystérie par la stimulation du clitoris. Et la stimulation du clitoris, évidemment, c'est pour le plaisir, non? Et comment ça a donné apparemment l'invention du premier vibromasseur, non? Donc, la sexualité commence à être même étudiée, la sexualité des femmes, et pas penser seulement que c'était uniquement pour avoir de bébés. Eunice, tu es là? Oui, je suis. Alors, tu peux continuer à lire. Adventure Home Method 2011 évoque les rapports entre Freud, Jean et Sabrina Piel-Pain, et Jean disciple et futur ennemi et patient de Jean. Cette dernière souffrirait d'hystérie et s'énerve animé de désir masochiste. Jean, donne-moi la fessée. Mais Safri, je suis votre psy. Bon, ok, mais c'est pas éthique. Les films mettent l'accent sur la conception de la sexualité dans la psychanalyse. Ok, merci. Alors, on dit masochiste, donc, okay. En realidad, este es el segundo ejemplo de la peli, ¿no? Este es el mismo. La première, c'est Hysteria, que vous pouvez la chercher, o My God. Oh My God, es el mismo título, pues, pero en versión francesa. Et si vous voulez voir un autre film, c'est A Dangerous Method, explique ça. La question de la sexualité dans la psychanalyse, et on voit les médecins Freud, Jung et Sabine. Il explique pareil, non? Comment l'hystérie, cette maladie qui fait partie des femmes, avait ce lien avec la sexualité et finalement la psychanalyse, non? Continue, Eunice. Oui. Pour Freud, qui ne se penche que très tard sur la sexualité féminine, il n'existe de libido que masculine, chez l'homme comme chez la femme. Ok. Ce qu'il dit, pour si luego no queda claro con la coma aquí, le libido existe pour l'homme et pour la femme. Pour les deux. Mm-hmm.
Le sexe des femmes serait en fait une absence, un manque. Elle serait mue par une envie de pénis et un fort dévalorisation. Freud soupçonne les femmes ne se contentent pas de leur rôle de mère et d'épouse, de vouloir combler des manques originaux de pénis. Ok. Mue, ahorita lo buscamos porque no sé qué traducción darle a esta palabra. Si quelqu'un peut chercher y nos dice, elle serait mue par une envie de pénis, ¿no? Bon, ici, on commence à voir cette idée de bah, que les femmes ne vont pas se contenter qu'à devenir mère ou épouse, que c'était leur rôle. Et qu'elles veulent aussi avoir d'autres rôles et accomplir ou combler, se colmar, non? Et d'autres besoins aussi, pareil comme les hommes. Fini, Eunice? Oui. Sans surprise, les féministes sont souvent méfiantes, voire hostile envers la psychoanalyste, pénis. Ça se dit pénis ou pénis? Pénis, pareil, si vous pouvez me buscar, s'il vous plaît, je ne suis pas sûre, si vous pouvez chercher si c'est pénis ou pénis, je ne me rappelle pas. Ok. Sexualité immature. Sometimes a cigar is just a cigar. Ok. D'accord, merci. Carlos Martinez. Oui, je suis ici. Tu peux participer. Les féministes. Les féministes n'ont pas toujours été à l'aise sur le sujet de la sexualité. Lesbiennes, mal fraisées. Mal baisées. Mal baisées. Merci. À vous. C'est difficile pour moi. Oui, pour la lettre no ayuda. N'a rien à voir. Et luego estos dos diálogos, s'il te plaît. Este azul y este azul. Je suis une dame respectable de la haute bourgeoisie. Je mets tout ce qu'il y a de plus moral. D'accord. Très bien, merci. Les féministes n'ont pas toujours été à l'aise. À l'aise, être à l'aise, eso, anótenlo como una expresión. Lo voy a poner aquí en el chat. Être à l'aise, c'est sentirse cómodo, sentirse bien con algo. Je suis à l'aise cuando ejerzo mi profesión. Je suis à l'aise un moment de donner un atelier o estar cómodo en una fiesta o incómoda, ¿no? Entonces, es el verbo être, je suis, je serai, ahí lo conjuguen como quieran, y à l'aise, je suis à l'aise. Entonces dice, les féministes n'ont pas toujours été à l'aise sur le sujet de la sexualité. Au début, ¿no? Como no era uno de los temas al inicio, il y avait des féministes, ¿no? Qui ne savaient pas comment réagir quand il y avait des commentaires négatif par rapport à les luttes ou par rapport à les discours de la sexualité des féministes. On voit par exemple ici, c'est un exemple qui crie es grita, ¿no? Como, lesbienne, mal baiser. Baiser, c'est tener relaciones,
de una forma vulgar la palabra baiser, como coger. Et on dit baiser, baiser, baiser. Ça n'a rien à voir, elle répète, non? Par une mujer grande, comme bah, je suis une dame respectable, tac, tac, tac. Donc, c'était aussi comme un autre chemin à bien établir, non, la libération sexuelle, comment la défendre. Claudia Hernández. Tu es là? Oui. Allez-y, continue ici. Je mène. Je mène un croissant moral au nom de ma religion, Joséphine Boulet. Oui, un peu plus fort, Claudia, parce qu'on t'entend très bien. Grande figure de l'abolitionnisme, elle combat moment le contagious. Contagious Disease Act qui donne droit aux policiers de l'union d'examen génitaux forcés aux prostituées. Hasta ahí se parfait. Merci. Alors, Joséphine Butler, no sé cómo se diga en anglais. Mais c'est une femme qui a été annotée, ainsi comme annotaron la Hollande de gauche, Gisèle Hakimi, Joséphine Butler. Et je mène une croisade, parce que c'est une lutte, non? Et morale au nom de ma religion, disait grande figure de l'abolitionnisme. Elle combat et notamment des actes, non? Que les policiers faisaient des examens génitaux forcés aux prostituées. Et, bah, il y avait des situations, ça m'a fait penser qu'il y avait justement des situations qu'il fallait aussi régler. Qu'il fallait. Oui, régler, c'est la question. Ok, on va voir ça. Leemos de aquí, va. Une. Karen Vargas. Oui. La sexualité des femmes s'est procurée. Elle comble le manque de pénis. Nous sommes des femmes respectables. Non, moi, mes désirs font des ordres. Vous voyez comme cette combinaison de pensées, non? Des personnes qui ont une idée, d'autres personnes qui ont d'autres idées. Alors, il y a quelqu'un qui considère que la sexualité, c'est que pour procréer. Il y a d'autres qui disent, non, non, mais nous sommes respectables. Il y a Freud qui dit, ah, mais elle comble de manque de pénis, non? Et c'est pour ça qu'elles font tout ça, parce que comme elles n'ont pas de pénis, et elles font ça. Et il y a d'autres personnes qui s'en foutent, qui les valent, qui disent, bah, moi, je veux, mon désir font des ordres, je veux vivre. Et continue, Karen. Oui. C'est la période de la libération sexuelle, plus la deuxième vague féministe. Ok, donc ça a été une rencontre, non? De nouvelles révolutions. Mm-hmm. Allez-y. Après tant d'ambiguïtations de leur sexualité qu'elles clament, leur désir est déjà révolutionnaire. Les hommes invitent à considérer les liens entre sexe, genre et sexualité. L'évidence voudrait que les trois correspondent et découlent l'un de l'autre. Mais heureusement, les féministes, moi, ont appris à me méfier des évidences. Ok, a ver, aquí creo que hay como términos importantes que hay que dejar claro. Invisibilización de leur sexualité. Esto resume, ¿no? Como avant, il y avait une invisibilización de leur sexualité. ¿De qui? De femme.
Elle clame, oui, leur désir de vivre aussi leur sexualité. Et el eslogan de no decir font desordre, ¿no? Nous invite à considérer, bueno, estos términos. Sex, genre et sexualité. Oui, que on verra après un peu la définition. Mais pour donner un exemple, ¿no? Como... J'ai dit, bon, le sexe, caractère sexuel, mâle, non? Le genre, le genre, c'est cette construction qu'il y a autour d'un sexe, non? Mais le genre, finalement, c'est encore plus ouvert, c'est plus varié, et c'est lié au comportement, c'est lié aux habitudes, c'est culturel, le genre. Et ben, on pourrait associer le genre au comportement, non? Et comportement masculin, on partage ces mots. Et la sexualité, non? Des fois, c'est bon, ma préférence pour être avec qui? Et ici, on met l'exemple attiré par les femmes. Esto es la convention, non? Que se muestra culturellement. Une femme, non? Avec des caractères sexuels, doit être attirée par des hommes. Elle doit avoir des comportements féminins, mais on va voir que tout ça a été beaucoup plus ouvert à partir de ce moment-là. Et aujourd'hui, par toute la théorie LGBTQI, c'est immense. Des fois, moi-même, moi, j'arrive pas bien à comprendre tous les termes, non? Mais c'est pour expliquer d'à partir de quand ça a commencé à révolutionner ou changer les conceptions de sexe, genre et sexualité, si le pouvez noter. Fernanda, ¿tú la? Oui, allez-y. La sexualité est à que des revendications féministes à partir de la deuxième vague, ce qui est ironique quand on pense au stéréotype anti-féministe qui prédomine depuis les le 19e siècle. Oui, merci. Haha, elles font de la politique parce qu'elles sont moches et qu'elles n'ont pas de mari. Haha, attends, toutes ces vieux filles ensemble, elles seraient pas lesbiennes. Ok. Ça, c'est l'explication de ce stéréotype qui existait dès le siècle XIX. Au moment que les femmes commençaient à lutter, il y avait cette idée de croire que beaucoup de femmes ensemble, c'est parce qu'ils n'ont pas de mari, non? Ou parce qu'elles sont moches, ou parce qu'elles sont lesbiennes. Et jusqu'à l'actualité, des fois, les personnes pensent que c'est bizarre, le fait d'avoir beaucoup de femmes ensemble. Et, ou que c'est bizarre, oui, d'avoir des femmes fuera de sus hogares, en dehors de leur rôle, fuera de sus roles de mamá ou de ama de casa. Il y a des stéréotypes, il y a des idées qui vont juger oui, la participation active des femmes. Continue. Les liens entre féminisme et lesbianisme sont des faits au cœur de l'histoire
récent du mouvement. Oui, bon, c'est ça que je disais, non? Aunque no es forzosamente esa la lucha, il y a des fois cette idée de penser que féminisme, lesbianisme, c'est comme c'est la même chose ou ça fait partie, non? Que si je suis féministe, bah, c'est parce que je préfère les femmes. Et ce n'est pas une question de ça, ce n'est pas forcément ça. Continue. Les lesbiennes sont doublement marginalisées par Monique Wittig. L'hétérosexualité n'est pas plus naturelle que les autres orientations sexuelles. Genre, orientation sexuelle. Mm-hmm. Ok. Et ici, bueno, anotar orientation sexuelle, que c'est la sexualité, finalement, c'est lié à quelle est mon orientation sexuelle, ¿no? Et Monique, si quieren después investigar más, Monique Wittig, elle dit que l'hétérosexualité n'est pas plus naturelle que les autres. Ça veut dire que finalement, l'homosexualité, c'est aussi naturel que l'hétérosexualité, ¿no? Et, ou le fait d'être bisexuel, ça pourrait être aussi naturel. C'est rien à voir avec l'idée de penser que l'hétérosexualité, c'est la norme, non? Alors, une autre personne. Alguien qui quiera participer, que n'aille pas participer? Moi. Allez-y. La hétérosexualité est devenue un système social de domination. Les femmes sont définies pour les rapports hommes, rapports hétérosexuels. Le fait d'être lesbienne revient à être en quelque sorte la loi ou des structures hétérosexuelles. Youpi! D'accord. Ok. La question avec l'hétérosexualité, c'est que ce modèle est devenu un système social de domination. Où, oui, l'homme oui, va soumettre un petit peu à la femme. Et je ne dis pas que c'est comme ça partout, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai parce que c'est vrai que si il y a une question de domination, non? Et dans beaucoup de cas. Et les femmes sont définies par le rapport aux hommes. OK. Ouais, dans ce cas, c'est un peu répéter cette idée. Et les rapports sont relations. Et que, en fonction de cette relation hétérosexuelle avant, maintenant, je pense qu'on change petit à petit, mais c'était ça qui déterminait certaines conditions de femmes. Et, bueno, le fait d'être lesbienne, c'est un peu sortir de la norme, ça change. Ou pas seulement les lesbiennes en général, non, le fait de changer l'orientation sexuelle, ça va changer ce système. Pas forcément, on peut répéter des fois les mêmes comportements, mais finalement, ça change les structures. Et je pense que le fait de questionner les structures, c'est finalement le plus intéressant. Au lieu de dire, pour moi, à la fin, c'est un choix personnel, mais finalement, questionner les liens ou les rôles qui se sont établis à partir de la unique norme qui avant c'était homme-femme. Une autre personne, s'il te plaît, qui veut participer? Et moi? Allez-y. Oui. Les lesbiennes ne sont pas des femmes. Ça dirait qu'elle ne se conforme pas aux normes hétérosexuelles. Monique Wittig est une inspiratrice de la théorie queer qui critique et déconstruit l'emprise du genre et de la sexualité normative.
Le terme anglais queer signifie. Merci. Le terme. Pardon pour. Oui, t'inquiète. Le terme anglais queer signifie bizarre tortue. C'est aussi une insulte envers, envers les homosexuels. Cette insulte a été détournée et réappropriée au début des années 1990. Okay. Oui. Vamos a retomar. Bon, pareil, on a ici une autre personne qui a proclamé, non? Ou qui a été inspiratrice, en tout cas, d'une nouvelle théorie, la théorie queer. Et qui, justement, elle propose la théorie sans sortir des normes hétérosexuelles, ¿no? Como con todas las implicaciones que tiene. Et ce terme anglais, queer, au début c'était bizarre, ¿no? Algo raro, algo que se sale de la norma, et c'était une insulte. Qu'est-ce que ça signifie, tordu? Tordu, je ne sais pas, torcido, puede ser. Tordu, si vous voulez chercher, moi, d'après moi, je pense que c'est comme torcido, bizarre, ¿no? Por lo que estoy viendo en las imágenes. Et au début, al principio era una insulta y después se reapropió ese concepto. Au début, c'était plutôt pour insulter les homosexuels, como, ah, queer, ¿no? Mais esto es interesante, ¿no? Que au début des années 1990, si quieren anotarlo como otra fecha, ¿no? Para situarnos, cette insulte a été détournée et réappropriée. Uh-huh. Y a ce moment-là, no, no es un insulto. A ce moment-là, queer, c'est pas un insulto. Ok. Une autre personne qui veut participer? Moi. Allez-y, Doudou. Le genre et la sexualité ne sont pas binaires. Homme, hétéro, femme, homo. Mais un continuum d'identité de genre et de sexualité. Et nous avons besoin de quoi? De move? Des normes. Ah oui, ok. Nous avons besoin de normes pour que le monde fonctionne, mais nous pouvons chercher des normes qui nous conviennent mieux. Ok, nous avons queer, féminin, non-binaire, masculin, homo, bisexuel, pansexuel, asexuel et hétéro. D'accord. Alors, vamos a... Attendez. Así se alcanza a ver todo. Oui, si vous êtes intéressé à découvrir, parce que moi je le trouve assez intéressant, et même c'est que ça commence à grandir, non? Toute cette théorie des genres, et Judith Butler, c'est elle qui propose cette idée d'avoir besoin des normes pour que le monde fonctionne, mais nous pouvons chercher, tu sais, des normes qui nous conviennent mieux. Ça veut dire, les normes sont nécessaires, non? C'est bien les normes. Mais il faut penser à des normes qui incluent ou qui nous conviennent mieux. Et n'est pas des normes rigoureuses qui laissent seulement hommes-femmes. Hétérosexuels, c'est tout. Ben non, il y a plein, il y a une grande diversité. Une grande diversité, et ça, nous ne pouvons pas négar, une grande diversité de désirs. Et je pense, bah, ça c'est une opinion personnelle, que des fois, on ne se permet pas de découvrir nos désirs si on suit les normes. Il faut des fois oublier les normes et sentir, de découvrir en tout cas, parce que sinon... Et des fois, on ne sait pas exactement si tu le fais seulement parce que c'est la norme ou si vraiment tu suis tes désirs. On a ici, il y a beaucoup plus. Hier que j'étais en train de préparer l'atelier, il y a trop, il y a beaucoup. Mais ici, il mentionne certains, non?
identité. Chaque fois, il y a plus d'identités qui se présentent entre genre et sexualité, non? Comme des questions séparées. Bon, si je parle de ma sexualité, est-ce que tu as une orientation homo? Est-ce que tu as une orientation bisexuelle? Est-ce que tu as une orientation pansexuelle? Est-ce que tu as une orientation hétérosexuelle? Et la question de l'identité de genre, que c'est plutôt lié au comportement, à la manière de t'habiller, à toute cette construction autour du féminin, autour du masculin, autour des queer, autour des non-binaires, etc. Donc, tous ces concepts deviennent à partir des années 90. 1990 en los 90, ¿no? ¿Una otra persona? ¿Alguien más que no haya participado? Oui. Allez-y. Un problema que repira en permanencia es la invisibilización de la sexualidad entre femmes lesbiennes invisibles. Sa réalité reste plus visible dans les médias et laisser une large place au fantasme masculin. La pornographie mainstream est autant un reflet de cette situation qu'il participe au problème. Les scènes lesbiennes des et diminue et quand les mecs quand les mecs arrivent vous sauter sur son riri ici. Ok, ici il dénonce un peu l'invisibilisation de la sexualité entre femmes. Esto como para regresar después de hablar de género, sexo y sexualidad. Volviendo a las luchas de las mujeres, otra cuestión sería que la sexualidad entre mujeres muchas veces se invisible. ¿Sí? Ya saliéndonos un poco de la teoría de género, si on revient a la revendicación, ¿por qué no acepté la sexualidad entre femmes, ¿no? Et on voit ça, sa réalité reste peu visible dans les médias, non? Et même s'il y a, évidemment, il y a des films, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça pourrait être beaucoup plus normalisé. Et les médias, non? Et il y a toujours la place, non, des fantasmes masculins. Et il met l'exemple, dans la pornographie, il y a toujours les scènes de lesbiennes, mais des fois, pas toujours, mais des fois, je dis, avec la présence d'un homme que finalement ça va revenir à la norme. Ça c'est très intéressant. Une autre personne, merci Stéphanie. Une autre personne qui n'a pas participé. Se regarde masculin hétéro par défaut en nom malgas. Les malgas, que c'est en anglais to gaze, malgas. Tu gars analyse. Regarder fixement. Pardon. Bien, o sea, es una Z, perdón, es que sí está difícil. La letra to gaze del inglés. ¿Y qué significa? Désolé, sí. Tu gare anglais, regarder fixement intensément, conceptivamente, par le Laura. Mauvais théoricien féministe du cinéma.
C'est un phénomène très courant dans les arts visuels. On va prendre le point de vue du personnage masculin, du spectateur masculin. Perdón, a ver, Blanca, ¿puedes activar otra vez tu micro? Porque se juntaron dos micros. Ah, oui. Así. Consistant à prendre les points de vue du personnage masculin ou du spectateur masculin. Oui, merci. Alors, ahí, IN siempre va, generalmente suena a masculin. Et bon, c'est important aussi, Laura, si quieren buscar esta mujer, Laura Mubey, yo pienso que es una B y una V. Elle a parlé de ces concepts, c'est très important, ces phénomènes des arts visuels, no, des vidéos, des films, des commerciales et tout ça, où il y a le regard des hommes toujours, o sea, donde se impone la mirada masculina, ça veut dire la manière de voir les choses, c'est regarder fixement et intensement. Et des fois, c'est aussi mauvais. C'est la manière comment tu présentes les choses. Bon, on va voir un exemple. Toujours comment les femmes sont présentées, non? Comme des victimes ou comme des objets sexuels. Et il faut changer cette manière de présenter les choses. Et le personnage féminin est alors doublement passif, objet érotique pour le personnage comme pour le spectateur. Donc, doublement, non? Le personnage, mais aussi la personne qui voit le film. C'est comme renforcer constamment cette idée de femme comme objet érotique. Il faut transformer, parce que sinon, igual nosotras comme mujeres, renforçons cette idée parce qu'on le voit tout le temps dans les médias. Alors, on finit avec cette planche. Qui continue? Une autre personne? Une personne? Moi. Allez-y, Maria José. Par exemple, il a été reproché à Abdelatif Kechiche, réalisateur de La Ville d'Adèle, d'adapter un tel point de vue. C'est en tout cas un reproche que fait Julie Marot, autrice de la BD adaptée par Kechiche. Il me semble que c'est ce qu'il manque sur le plateau de lesbiennes. La bande dessinée et le film racontent l'histoire d'une ado amoureuse d'une fille aux cheveux bleus. Le lesbien et les bisexuels sont donc confrontés à au moins deux rapports de je ne sais pas quoi. Alors, on attend un petit peu. Oui, 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 pour reprendre. Ça, c'est l'exemple. Abdelatif Kechiche, c'est un réalisateur. Les Bleus, je ne sais pas si vous avez vu La Vie d'Adèle, mais les films, vraiment, c'est un peu rien à voir avec la BD. Et Julie, c'est l'autrice de la bande dessinée. Elle dit, il me semble que ce qu'il manquait sur le plateau, c'était des lesbiennes. Ça veut dire, comme il a changé complètement la manière de présenter. Et non, Brandy, merci pour me rappeler. Ahorita lo mando el enlace de l'assistance. Alors, vous voyez, Julie, elle a écrit une histoire et l'adaptation au cinéma l'a fait un homme. Et la manière comment il a adapté cette histoire a été complètement changée, non? Elle a mis des scènes hyper érotiques entre les femmes avec un regard plutôt masculin. C'est un exemple de comment ça change et l'effet de montrer. Bon. Ahora sí, María José, s'il te plaît, continue. Les lesbiennes et les bisexuels sont donc confrontés à au moins deux rapports de domination, genre, sexualité.
Ainsi, pour elle, le harcèlement de rue prend une forme expressive qui combine les deux. Vous êtes lesbien? Le chef de chat? Vous m'excitez? Oh, pardon. Oui, 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 oui. Vous êtes lesbien? Vous m'excitez. J'ai assez de bites pour vous deux. Le chef de chat, vous êtes dégueulassé. Mm-hmm. Je vous recrois, je vous tue. Oui, oui, oui. Alors. Mais, oui, d'accord. Non, vas-y, vas-y, Marie-José, pardon. Mais le slogan « Nos désirs font des ordres » est aussi une affirmation joyeuse, créative et provocatrice. Nos sexualités existent et il va bien falloir que vous fassiez avec. Image du clip de Big Fat Gay Collab sur Fuck You Very Very Much de Lily Allen. D'accord. Et bon, merci. But ici, on continue à voir des exemples où les lesbiennes et les bisexuels, des fois aussi l'harcèlement c'est l'acoso, soit prendre comme este juicio, non, hacia la question sexuelle, soit à la question de genre. Mais les deux manières, les deux cas, ce sont vraiment de juger, de gêner et d'être confronté à des situations qu'on pourrait éviter, non? Il n'y aurait pas pourquoi et dire les commentaires qu'on voit ici comme exemple, et que nous, on sait que des fois, ça se passe. Et, bueno, aquí ya tendrán al final ahorita que les pase la BD, mais bon, finalement, il y a un videoclip, non? Où, oui, il faut accepter la diversité sexuelle. Et c'est la dernière. Attendez. Oui, alors, qui lit la dernière planche, s'il te plaît? ¿Alguien? ¿Una persona? Moi. Ah, Gaby, ok. Ok. Va, mitad y mitad, Ángel y Gaby. Bien, nos gens font des ordres, orientation sexuelle, identité de genre, et LGBTQI, lesbien, gay, bi, trans, queer, intersex. Ok. Les personnes qui s'identifient au genre qu'on leur a donné à la naissance sont cisgenres. Et les personnes s'identifient à un autre genre ou à qu'une sont transgenres. Merci beaucoup. Bueno, ahí está, ¿no? Ya. LGBT, ¿no? Et lesbien, pardon. G de gay, de bi, bueno, el B de bi, que ça se lie à l'orientation sexuelle. Y aquí la T sería ya la identidad de género. Trans, queer, intersex, etc. Bon, cisgénero, en español, cisgenre, c'est plutôt quand les personnes s'identifient au genre qu'on leur a donné de naissance. Mm-hmm. Y quienes no se identifican y qu'ils ont envie de avoir un autre genre ou à aucun sont transgenres. Ángel, ahora sí. Ok. Il existe un féministe trans ou transféministe. Il répond sur la prise en compte de l'identité de genre dans les féministes. Emi Koyama, je ne sais pas comment se prononce le nom. Je pense que c'est Laverne. Laverco. Ok. Mais toutes les féministes m'acceptent pas l'idée qu'on puisse être trans. Pourtant,
rappelle les féministes trans, les sexes, mais pas le tout de la identité. Mm-hmm. Parfait. Merci. Alors, je vais finir pour lire ça. Certains féministes radicales, c'est un courant féministe, refusent d'intégrer les femmes trans dans les espaces féministes. Si vous voyez, non, il y a un seul mouvement féministe, non? Après, il y a des féministes qui considèrent que non, que les femmes trans, c'est pas possible de faire partie du mouvement. Il y a d'autres qui pensent que oui. Mais ce sont déjà d'autres situations qu'il faut comprendre, qu'une personne qui considère ou qui lutte pour avoir des droits, pas forcément doit accepter aussi d'autres pensées. Et c'est possible aussi. Il y a une différence entre les personnes, entre la pensée. Et ici, les êtres humains ne devaient pas être déterminés par leur biologie. Bon. Oui, c'est la question liée au genre. Et je vais vous passer ça. Je pense que si vous êtes intéressé à savoir plus du sujet, vous pouvez lire, chercher, etc. Et finalement, les trois séances qu'on a eues du féminisme, c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et pourquoi pas commencer à découvrir des théoriciens, des théories. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait des études, non? Et si on s'intéresse, ya tienen ahí títulos de algunas mujeres, de algunos conceptos también, que vous pouvez commencer à approfondir. Voy a pasarles la lista, espérenme. S'il te plaît, la acabo de dejar ahí en el chat, si pueden completarla, porque es importante. Si alguien no la puede abrir o no la puede llenar, por favor, les agradecería que me escriban a mi correo para que se las envíe. Y bueno, aprovecho en lo que le están llenando, pues decirles que las actividades siguen gratuitas, pasen la voz, aprovechen. Y que finalmente, pues es una, para mí es, ha sido una, pues sí, una actividad bonita el poder compartir ya no solo como temas de gramática o de léxico, sino poder discutir o abordar, en todo caso, temas de interés en otro idioma, ¿no? Ça c'est bien. Nous approcher à la pensée, à la culture, mais dans une autre langue. Y déjenme les paso la BD, un segundo. Merci, merci à vous aussi. Et espérez-moi un poquito. Moi, j'ai cherché les mots pénis. Uh-huh. Oui, avec S, pénis. Merci, merci. ¿Alguien buscó lo de mu, mué? ¿No? Y c'était mudas. ¿Cómo? C'était mudas. Mudas, pero ¿cómo lo podremos ahí entender? En el... Como silencier, être silencier par... Ah, muda, ya, sí, ok. D'accord.
Voilà, ahí ya tienen el enlace a la BD completa, que está interesante leerla, même si la cursiva es una lata. Mais bon, j'espère que si vous avez l'intérêt, vous pouvez déjà lire ou al menos pues anotar nombres, ¿no? Que fechas. Bon, je vous remercie beaucoup. No sé si hay alguna duda o comentario. Non, c'est le manque. Merci beaucoup, Gis. D'accord. Bon, merci. La semaine prochaine, je vais changer la thématique. Peut-être que ce sera la cuisine. Et bon, il y aura deux ateliers nouveaux. Este jueves, seguimos con el último de cine. Y la próxima semana, ya hay dos temas nuevos. Bon, merci. Merci. Prof, une question. Et allez. Quand ça sera l'atelier de cinéma, c'est quand? Quel jour? Ah, c'est le jeudi. Jeudi, la console. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. De rien, au revoir. Merci beaucoup, Gis. De rien, au revoir. Au revoir. De nous venir.